Inside. Salut à tous, bienvenue dans What Inside. Porter une robe en pagne peut être un casse-tête chinois pour pas mal de femmes, surtout quand il s'agit d'une robe en pagne sexy, minimaliste. Alors aujourd'hui dans mon univers, je vous fais découvrir comment porter une robe en pagne afro-chic et faire toute la différence. Nous sommes en Afrique, bienvenue dans le monde merveilleux de l'afro-chic. What Inside. La mini-robe en pagne afro-chic, encore appelée mini-caba sexy, se démocratise pour le bonheur de toutes les modeuses au style à part. Tendance que certaines modeuses ont du mal à porter, voilà pourquoi j'ai réalisé pour vous une robe afro-chic tendance à épaules dénudées qui va vous permettre de rafler tout sur votre passage et sans faire de faux pas. All inside. Pour mon premier look, j'opte pour un total look en pagne. Un chapeau bérette en paille que je porte sur le côté par-dessus ma robe pour faire chic. Une ceinture autour de la taille pour affiner ma silhouette. Des chaussures à talons pour faire classe. Et c'est parti pour une sortie en toute confiance. En guise de conseil pour ce premier look, j'ai choisi d'associer à ma mini-robe en pagne un chapeau décalé, un look qui renvoie aux princesses et reines d'Afrique, et bien qui pourra faire toute la différence s'il s'agit d'un événement à thème où vous devez absolument porter un total look en pagne. Et voilà. Inside. Ma deuxième inspiration est un look simple et classique. Toujours un chapeau en paille parce que c'est tendance en ce moment, que je porte avec un sac à main tissé, assorti à mon chapeau. J'ôte la ceinture autour de la taille. Ceci me permet de faire simple. Toujours à l'aide de mes talons, eh bien, je suis parée pour une sortie classique, sans faire too much et vulgaire. Je ne passe pas inaperçu. Vous comprenez que vous pouvez oser porter une robe afro-chic sans faire vulgaire, sans faire too much. Tout est dans le choix du pagne que vous pourrez faire chez Sikam. Vous avez donc toutes les clés. Alors, il est important de savoir que le choix du pagne est primordial pour réaliser une belle robe en pagne afro-chic. Pour ma part, j'ai choisi English Super Wax Design de Sikam pour réaliser ma robe. Simplement pour ses couleurs, ses motifs qui en jettent et qui appellent la lumière. Et ben oui, vous pouvez rester moderne dans un pagne afro-chic et faire toute la différence. Côté accessoires, n'en faites pas trop. Le pagne à lui seul est suffisamment chargé. Voilà pourquoi j'ai opté pour des bracelets minimalistes dorés, un collier également qui va avec. Vous voyez que ça passe inaperçu parce que le pagne à lui seul parle. Et vous avez votre robe afro-chic prête à sortir. Voilà. All inside. Et voilà les zouzous, c'était donc tout pour le look du jour. Vous avez à présent toutes les clés pour sortir votre propre robe en pagne afro-chic et faire toute la différence. Je remercie toute mon équipe qui m'accompagne, Abdou Zoé à la caméra et surtout Flash House pour la réalisation. Merci donc à vous qui nous avez regardé ce matin. N'hésitez pas de me suivre, continuez à me suivre, je dirais, sur mes réseaux sociaux. Facebook, Zouyayap, Instagram, Zouyayap et même TikTok pour des petites blagues. Allez, merci à Sikam, le pain camerounais, pour ce chef-d'œuvre. Allez, à très vite, mes zouzous.